Effectivement, donc le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, si on mesure la grandeur d'une personne au manque de moyens que cette personne avait à cette époque, à son époque, et l'ampleur de son impact en fait sur l'humanité, je pense que sans l'ombre d'un doute, on nommerait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus influenceur de l'humanité. Et Dieu dit dans le Coran, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour les peuples. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les peuples. Et effectivement, donc c'était une personne d'une grande miséricorde, d'une patience énorme, d'une indulgence énorme. Et j'invite également les téléspectateurs à se renseigner, donc à chercher des livres de la biographie du prophète, des livres qui parlent des débuts de l'islam et qui parlent en fait des qualités de ce prophète. Et je les invite fortement à se renseigner en fait sur sa personnalité, et ils verront que il est très loin des conceptions qu'on peut avoir et des préjugés que les gens peuvent en avoir.